allons récupérer un peu de produit. Tu as pris lequel? Le taille de là ou le taille de là? Je prends le taille de que tu veux. Il est là. Vas-y. Et tu pousses? Oui. Et ça tombe en bas. Putain, trop bien. La monnaie. Je mets ma pièce. Et j'ai gagné. Ouais, c'est ça. En attendant que le produit se fasse, on va se promener un petit coup. On va aller à Renaissance, le Emmaüs canadien. Voilà, là vous avez loupé une séquence qui était magnifique. J'ai été censuré par monsieur Renard. Je viens de Perpignan, monsieur. J'espère que t'es pas raciste, moi. C'est dégueulasse, raciste. C'est dégueulasse. Bravo. Bon allez, à tout le monde. On va se faire des petits chinages de fringues. Welcome to the Renaissance. On va se pays déguiser. De la fripe. Voilà, il y a de tout. Livres. Objets insolites. Manette de vieille console. Sèche-cheveux. Et des fringues à tout va. Ça, c'est classe. Si j'avais possibilité, je le ramènerais pour vous. 5$. Vous voyez ça? Ah putain, c'est pour Tom ça. Oh, il kifferait. Franchement, c'est le, je te dis, c'est le royaume de toutes les merdouilles. Ah ça, télécommande, calculatrice dépensée. Ah mais là tu peux vendre tout, même de l'AirPass. Hein. Même de l'AirPass. Ah, c'est pour Don Julian ça. Intéressant. Putain, c'est cool ça. Le distributeur Agnol, j'en voulais un depuis toujours. Hein. C'est Agnol ou à café? Ça c'est Agnol. Hein. Quand j'étais à la fac, mec, le distributeur Agnol, pour moi c'était... Je vais soit avoir un distributeur Agnol, soit un distributeur à céréales. Ah putain, ça a distributeur de trop bien. Alors c'est pas de la camelote. Bon, ça a l'air de marcher, Dio. Je pense l'utilité, est-ce que ça me servirait? Mais moi je pense que oui. Je ne sais pas, mais on va acheter un distributeur Agnol, écoute. T'achètes le distributeur, ça y est. Bah écoute, c'est de l'Agnol, non? Oui, pas ça. Ouais, bah ça prend mieux. L'échappe... La chemise asiatique. Ah mais ça c'est pour les meufs, mais t'inquiète. Ah oui, ma casquette de chim. Et peut-être un débardeur sexy. Je vais trouver ça. D'abord voir les casquettes. Non. Une casquette de bière, on a dit. Putain, celle-là, par contre, il y en a de bière, regardez. Cette casquette-là, l'ancienne, là. Putain. Mais mec, elle tirait bien, ça ferait ultra hipster. Essaye, va. Du tout, je pensais longtemps. Ah, elle est quand même trop petite. Dommage, parce que t'étais bien parti. T'étais bien parti. Ça avait de la gueule. Ça avait de la gueule, putain. Des petits vieux qui sont pas dégueulasses. Ça c'est bon ça. Putain mec, il tirait trop bien. Waouh, Golden Retriever. Golden Retriever. Attention parce que t'avais du mal à la main. Ah putain, Céline sur les plaines. C'est pas beau ça? Ça c'était bien ça. Un beau petit saut sous la bière pour 2$. Hey McFly, qu'est-ce qu'il y a? On a trouvé une nouvelle star. C'est petit. Tu sais que ça pique quand même. Tu veux aller au Macumba? Eh, ce soir, after au Macumba. Allez, après une descente de la rouge. Attends, j'ai pas mis mon gloss. Mon lipstick. Allez, lâche-moi. Regardez l'homme. Regardez. L'homme dans son milieu naturel. D'accord. De la violence. Elles sont pas compliquées, c'est simple. Si t'as un castor ou un renne dessus, un caribou, ça passe. 25. Tu vois qu'il y a le temps qui augmente, non? T'as mis combien toi? 21. Toi, tu serais dans les médiums parce que t'es pas très très chaud. Tu mets start. D'accord, ok. Waouh, ça tourne trop bien. Mouvement perpétuel, ambiancé. Petite visite dans une sorte de Fnac de la vidéo québécoise, enfin montréalaise. Vidéotrog, on va voir ce que ça donne. Oh putain, ça sent la bouffe. Bonjour. Il y a du popcorn. Voilà, vous le sentez pas, mais ça sent énormément la bouffe. Ça sent très bon même. Il y a des chaussettes bien chères. Oh viens, putain, les chaussettes bien chères. Vous savez, c'est des petites merdes comme ça qu'il faudrait que j'achète. Tu peux encore ouvrir les DVD. Ah d'accord, ils ont encore la location. Pour 9$, t'as deux jeux. Une ancienne pièce. Ouais, mais ça, c'est en location. Ah, location. Putain, tu peux louer le Play 2 là. Je vais te faire le Play 2. Ah, ouais, classe. 80$. La Play 3, comme ça, quand tu fais King Shark. Oh putain, Dark Souls 3. 30$, enculé.
Et tout ça, c'est des jeux à louer en fait, maintenant tu les achètes. Ouais, ça c'est. Bah, les jeux de Play 3, tu peux les louer et les acheter. Je voulais Destiny 2. Ah, ouais, c'est... d'accord. Ouais. 2 pour 10 dollars. Et tu les loues pour combien de temps en fait? Il y a marqué là, des fois 7 jours. D'accord. Des fois c'est 3. Non, ça c'est bien ça, le système de location des jeux, c'est vraiment cool. Quoi. C'était comme ça à l'ancienne. Petite manette rétro pour 29 dollars, ce qui fait 24 euros, un truc comme ça. Je pense que c'est à peu près ça. Voilà, une voiture super classe. Petit repas bien frais, fromage, salade. Oh oui. Oh oui, ça c'est beau. Coquino. C'est-à-dire smoke meat avec du fromage, de la salade. Au soleil, il fait beau. Il fait 27 degrés au Canada. C'est impensable. Donc bon appétit les gens. Ouais. Putain, ça merde. Vous ratez quelque chose, les gars. Vous ratez quelque chose. Ah ouais. Six beignets au sirop d'érable à la patate douce, c'est ça? Ouais. Ça va. Attention, c'est gras au possible, ça a l'air hyper bon. Attention, ça peut entraîner une dépendance. Faut faire attention. Fais gaffe à ta veine. Oui, mais parce que ça commence à venir comme ça. Ça commence comme ça, puis après tu le mets dans tes veines. Après ouais, donc... c'est ça, overdose de patate douce. J'y vais. Allez. Oh, putain, ça merde. Là c'est de la saloperie ça, putain. Trempe un peu dans le café là, tu vois. Ah putain, oui, ça va être trop long. Le petit café frappé, là. Un peu de juste. Oh putain. C'est ça merde, c'est bon, c'est merde. Ouais. Putain, t'en bouffes un, c'est la fin de la vie là. De ta journée, elle est finie. Ok, tu vas au lit quoi. Le défi fou là, c'est que tu manges les 6 d'un coup. Je crois que tu vas à l'hôpital tout direct. Ça va, il est pas trop long ici. Des billes chauffent partout ici, c'est trop long. L'enfin. Nous sommes près du vieux port. Là-haut, on ne voit pas, mais il y a une jolie petite pente. Et là-bas, c'est le truc à bière, c'est le plus important. Parce que la bière, c'est la vie. Nous sommes dans le truc de répétition de monsieur Robin. Et on ressort de quel côté là? Ah! Et les bâtards! Ok! Et en fait, quand vous avez vos instruments ici, c'est ça? C'est-à-dire que vous les laissez ici, quoi. Il n'y a pas de souci d'emmerdage. De... Non, non, bah tout fait. Ton petit frigo pour la chim. Toujours. C'est la vie, ça. Le plus important. Petit chauffeur de bois.
place. Ouais, putain. Ouais, mais c'est. Ça c'est fort quand même. Ouais, c'est flat là. Allez, le petit shot. C'est lui. Je vais faire la fin. Bienvenue chez Monsieur Lui. Le fameux. Le fameux. Ouais, je sais qu'il y a un pack. Ah oui, ça va. Le frigo à bière. Oh, il fait frais. Il fait frais. Waouh, et voilà. Dans l'antre de la bière, hein, tous les packs sont au frais. Ventilation de service et les bières qui sont là. On prend quoi comme bière? Tu veux prendre la grosse bière ou tu veux prendre la. Je vais prendre la grosse, mais il faudra un pack pour jouer. Quoi, ouais, un pack de Kibbs. Ah, il y a de la bouche, voilà. Oh là là. Le pack a failli se briser, c'est tout. Et la grosse. Et la grosse canette, tu veux dire. Le bouche, ça nous en fait quoi? 4, mais au pire, le goût, il en prend en plus. La grosse, on voit. Hop là. Ils aiment bien la bière petit format ici. Et alors bonne bière. Ouais, ben ça va bien. Ça va bien et toi? Oui, ça va. Et ça, c'est les, je suppose, citrouilles. C'est capucine. De quoi ça, c'est capucine, ça? Le truc qui marche, là? Les trucs comme ça, là. Ouais. Ouais. D'accord. Ça se mange? Bah d'accord, c'est un fruit, c'est pas cette fleur, là, tu vois. Si. Tu manges la fleur? Non, mais ça se mange ça, là. Voilà. Si je ne m'abuse. Ça sonne pas, à la porte, là? Voilà, dans le paradis, où les potes de Robin Blue. Ah non, c'est ça, voilà, la citrouille. Non, c'est les citrouilles, voilà. Ou courgettes. Pas. Les pousses de ça là, les petites pousses qui sont toutes petites, mais ça a un goût de radis, donc je pense que c'est un truc à... pour mettre dans des plats, pour épicer les plats ou pour un truc comme ça, les salades. Ça va me déchirer ça, moi. Et après, tomates cassées de base. Voici la terrible agression d'un pit. Là, c'est un gros pit dangereux. Il est gentil. Ici, on leur fait mettre des muselières maintenant, obligatoires dans les parcs. Et bon, qu'est-ce que tu veux? C'est parti de la vie. Mais on mange un peu de gras, un peu de vie, un peu de saucisse, un peu de poulet, un peu de poutine. Je vais mettre ça en image au ralenti en fait. C'est mayonnaise. Mayonnaise. Bon, c'est simple.